Oh, mon vélo! Là, tu parles chinois, là. Ah, mais non. Je parle pas chinois, moi, je parle français. Je suis chinois, j'ai essayé, t'as vu, c'est un peu difficile. Mais... Comment on est sous? Et si je fais genre comme ça, genre... Tu fais quoi? Salut l'équipe, c'est Mickaël H. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire par rapport à la précédente vidéo où j'avais piégé un haters. Finalement, l'histoire s'en est pas vraiment arrêtée là, il y a eu une espèce de petite suite. Le hater s'est revenu vers moi, il m'a renvoyé une vidéo, il s'est passé quelques trucs. Donc si ça vous intéresse, j'ai posté directement cette vidéo sur ma chaîne secondaire Mickaël H Beast, je vous mettrai le lien en description. Et si vous allez voir, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes pour me donner de la force. Et aussi à vous abonner à ma chaîne secondaire, je vais reprendre plein de vidéos dessus. Voilà, si on pouvait atteindre les 100 000 abonnés, ça me montrerait à quel point vous êtes chaud. Oh Mickaël H, c'était des petits... Souviens-moi, ouais, la victime que t'as soi-disant victimisé en faisant une crêpe là sur YouTube. Tu t'es bien foutu de moi? Eh ben, c'est parce que je t'ai pas préparé mentalement et tout. T'es un mec, t'es connu sur YouTube et tout. T'étais en face de moi, je savais pas comment réagir et tout. Et maintenant, je vais te proposer un rendez-vous. Ça va être toi contre moi. Bon, salut tout le monde, c'est Mickaël H. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire voler un vélo? C'est-à-dire que vous accrochez votre vélo, je ne sais où, vous partez faire quelque chose et vous revenez et là, vous voyez. De vélo. Si c'est le cas, je pense que cette vidéo va vous plaire car aujourd'hui, on va tout simplement coincer un voleur de vélo. Alors, je vais un petit peu vous expliquer la situation, mais je pense que vous avez déjà dû voir un jour ou l'autre ce genre de cas de figure parce que c'est quelque chose qui peut arriver assez souvent. Donc, il y a une semaine, il y a mon cousin qui s'est tout simplement fait voler son vélo. Voilà, il avait attaché quelque part avec le cadenas. Il y a quelqu'un qui est venu, il a réussi à enlever le cadenas, il a pris le vélo, il est parti avec. Donc, ce qu'il a fait, vu qu'on se parle assez souvent, etc., il est venu, il m'en a parlé. On a commencé à rechercher un petit peu aux alentours, voir si on pouvait retrouver son vélo. Et on a aussi commencé à rechercher sur des sites de revente de produits d'occasion parce qu'en général, quand les personnes volent des vélos comme ça, c'est souvent pour les revendre. Et je pense que vous commencez à comprendre ce qui s'est passé. Sur Le Bon Coin, on a tout simplement trouvé une annonce qui mettait en vente son vélo. Donc voilà, bien évidemment, on a bien vérifié que c'était bien son vélo. Il y avait quelques détails qui ne trompaient pas, on en était vraiment sûr. On a aussi regardé, ça correspondait plus ou moins à la zone dans laquelle il avait été volé. Et donc, comme vous le savez, c'est un petit peu ma branche de vidéo. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de le contacter, de lui donner un rendez-vous et d'aller le piéger pour essayer de récupérer le vélo. Donc c'est tout simplement ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et je pense que vous allez plutôt apprécier le retour de karma. Juste, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît. Comme vous le savez, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos et à partager cette vidéo surtout à vos potes qui se sont peut-être déjà fait voler leur vélo. Sur ce, c'était Mickaël H et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. En gros, ouais, t'as un gros tranquille. Je t'avais dit pas trop loin et tout là, ça fait c'est pour le arrive. C'est le vélo pour... Ah oui, c'est moi pour le vélo, tu vois bien le vélo. Ça va, tranquille frère. Ouais, c'est moi, je suis un peu énervé là, je fais du vélo là, c'est froid. Hey. Je t'ai dit, c'est sur le parking, le skatepark. Ouais, putain, mais c'est pourquoi tu m'emmènes là? Non, mais t'as vu, moi je suis... T'as vu, je suis un rider un peu, frère. Ah, c'est pour ça que tu veux le vélo. Moi je suis un swing on the swing. Tu vois, frère. Ah ouais, je vois. Du coup, genre le vélo, genre moi je vais faire un petit peu du drift. Des décalages, décalcages, roue arrière, roue avant, pédale droite, pédale gauche. Tu vois, c'est bon, t'enflamme pas, ouais, je suis pas du vélo moi. Du coup, moi, t'as vu, je me chauffe et tout, je me fais un peu la piste, tu vois. T'as vu, prout, là, écrit là. Ça, c'est mon blast. T'as quel âge? Ah, mais c'est moi qui l'ai fait, ça, tu vois. C'est un peu ma marque de fabrique. Ici, c'est un peu chez moi, tu vois. C'est mon terre-terre. C'est quoi ça là-bas? YMP. Je sais pas. C'est. Je sais pas qui a fait ça, gros. Il a fait quand j'étais pas là, tu vois. Il a trop pris la confiance et tout. Mais bref, genre y a des guerres de territoire sur le skatepark et tout. Ouais, un peu comme ça, t'as vu. Bref. Du coup, c'est pour le vélo, c'est ça? Bah ouais, il est là, tu m'as demandé, tu l'as vu sur Le Bon Coin. Maintenant, voilà. Ouais, c'est le... J'espère que t'avais sous sur toi. C'était combien on avait? 100 euros. 100 euros 100 euros. Tu peux les... examiner un petit peu? Tu peux, mais comme on dit chez moi, chose touchée, chose vue, tu vois. Genre tu me donnes des sous après. Hein. Ouais, attends juste, je voulais voir un petit peu. Vas-y, vas-y. T'as vu, comme ça. Je vais voir un peu, genre... Fais voir genre... Tu fais quoi là? Non mais je regarde un peu, t'as vu, je teste le chasuble. Le châssis, désolé frère. Non, c'est pas des trucs bizarres avec mon vélo après. Hein. Non, c'est bon, t'inquiète, vas-y, fais voir, y a pas un truc pour le caler, genre une cale ou quoi comme ça, genre. Eh, c'est pas les vélos des bébés, hein, non, t'as pas 6 ans. Tiens-moi ça, frère. C'est quoi ça, genre là comme ça là. Arrête, tu vas dévisser la roue. Non mais c'est quoi ce truc là? C'est pour dévisser la roue. Moi je connais. Comment ça? Moi j'y connais pas trop en vrai en vélo en fait. Mais pourquoi tu me fais des trucs de ride, je sais pas quoi là? Ah ouais. Tu me mets comme ça? Ouais. Tiens-le. Comment? Tiens-le! Qu'est-ce que tu fais frère? Tu nous l'as retourné là? Bah si tu dérailles ou quoi? Tu dévisses là, tu sors la roue, tu rends rail. Ah mais je croyais que c'était pour caler. Regarde. T'enlèves là comme ça, tu tournes comme ça, tu dévisses. Ouais. Et après tu peux enlever ta roue.
Ah ok. Tu vois ce que je veux dire, enfin, il est beau gosse le vélo, franchement. Ouais, il est beau gosse. Hein. Mais t'as vu gros, en fait, genre moi je me demandais, tu vois, tu le vends combien, tu m'as dit 100 euros. 100 euros. Ouais. Moi je te dis la vérité, frère. T'as vu sur Wish. Tu connais Wish? C'est quoi ça? C'est un site qui vend des... Facebook là, qui met des trucs pas chers? Non, c'est un truc qui vend, tu sais, un peu des produits de luxe et tout, genre. Un site internet, genre un site marchand, tu vois. Ah, Wish. Ouais, Wish, ouais, c'est un... L'anglaise, un peu Wish. Ouais, ah, je vois, je vois. Wish. Ouais, et genre, t'as vu? Genre, j'ai vu sur Wish, ils le vendaient à 5 euros, genre. Mais non. Ben si, frère. Tu me mens, là. Et toi, tu me le vends 100 euros, tu m'as dit? Bah oui. Putain, 100 euros, frère. Mais tu sais, c'est qui a roulé avec? Qui? Tu vas pas connaître si tu fais pas du vélo. Mais si, je fais du vélo, frère, depuis... Moi, ça fait 2 mois que je fais du vélo, frère. C'est toute ma vie, le vélo. Il a fait le Tour de France. Armstrong, tu connais? Armstrong? Ouais. C'est pas le mec, genre, il est allé sur la Lune? Non, pas lui. C'est lui qui a fait le Tour de France avec. Genre, il est allé sur la Lune avec le vélo? Ouais, il a fait le Tour de France. Tu vois, je me suis sali les mains à cause de toi. C'est pas le mec qui dit, ouais, c'est un grand pas pour l'homme? Et genre, un petit le pas... Le Tour de France de vélo! Armstrong, c'est... Armstrong, c'est la Lune! Le mec avec le casque, là. Oh là là. T'es un cul, c'est pas moi, c'est tombé tout seul. On va laisser comme ça. Vas-y. Bon frère, du coup 100 euros tu m'as dit. 100 euros. Ah frère, c'est comme un petit prix si tu veux, mais pas beaucoup. C'est quand même un sacré investissement, t'as vu? Tu m'as pas fait venir pour rien là, il pleut et tout là. Non, c'est bon. Juste, est-ce que tu peux me montrer vite fait comment tu rides avec? J'ai envie de te voir. Je sais pas trop rider moi. Ouais, mais... Parce que t'as vu, moi je peux le prendre et rider, tu vois. Mais moi j'aime bien genre voir comment l'allure qu'il va avoir quand je vais rider dessus, tu vois. Ouais, je vais essayer. Montre-moi juste. Je te garantis rien. Fais voir frère, essaye de faire genre... Oh t'es chaud frère. Oh t'es chaud de ouf frère. Vas-y, oh je ferai... Oh frère, ça tu sais combien j'ai mis de temps à l'apprendre? Ça frère, j'ai mis 6 mois à l'apprendre ça. D'accord, c'est mouillé, sinon je fais des trucs de fou. Vas-y. Montre-moi tu sais un petit retourné comme ça là. Je peux pas faire hein, moi je suis pas rider, je t'ai dit moi. Vas-y fais, montre-moi. Montre-moi frère. Oh frère, qu'est-ce que tu nous fais là? J'essaye hein. Frère, t'es chaud un peu toi, non? Non. Non. Parce que montre-moi un peu genre tes talents genre. Ah franchement il a fière allure hein. Il a fière allure gros. Essaye de faire un petit sauté comme ça là. Frère, essaye de faire genre. T'arrives à sauter ça, moi franchement j'ai un peu peur encore, tu vois. Fais voir. Ah non, t'es fou toi. Ah frère. Vas-y, passe 2 minutes, je peux essayer. Tu peux me tenir mon téléphone parce que comme il y a de la pluie et tout, t'as vu, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Du coup, je préfère le garder au calme, tu captes? C'est quoi ça comme téléphone? Non, mais les, tranquille, tu vois, genre je te le laisse parce que j'ai pas envie de le... Mais t'en as pas d'échange? Non, y'a pas d'échange. Bien sûr, c'est le dernier iPhone. Putain, il vend 100 euros, tranquille. Non, il vaut pas 100 euros, vas-y. Marché conclu. Non, y'a pas de marché conclu. Vas-y, tu sais quoi, passe le téléphone. C'est bon, je vais pas te voler. Passe, non, c'est bon, passe, vas-y, rentre. Tu sais quoi, je vais te poser là, regarde. Au moins, j'en ai tranquille, toi, parce que là, tu me fais des trucs de ouf. Frère, tu crois que je vais te le voler? Attends. Non, frère. Vas-y, c'est bon, je le pose là. Tu crois que je vais te le voler? Tranquille. Vas-y, je vais essayer le vélo. Putain, elle est solide, gros. La selle, elle fait un peu mal au cul, frère. Parce que j'ai enlevé le coussin. Ah ouais, mais remarque, moi j'aime bien quand ça, tu sais, ça s'enfonce un peu, genre. Oh, non, mais essaye le vélo, essaye. Vas-y. Vas-y, j'essaye. Oh, mon vélo! Oh! Je me suis fait une carte. Lève-toi. Ah, j'ai fait ça. Ah, tu vas traîner au sol, frère. Ah, j'ai fait mal. Attends, frère, j'ai mal. Je crois que je me suis fait un AVC du genou, genre. Tu veux bien regarder, frère? Je suis pas médecin, donne-moi mes sous, là tu m'as fait perdre assez mon temps. Non mais t'as vu, je crois que je me suis fait un AVC du genou. Donne-moi mes sous. C'est bon, attends, tranquille. On me fait affaire. Je suis médecin ou je suis vendeur de théo? Ah, c'est bon, tranquille, qu'est-ce que tu fais là? On est en train de voir, on fait des business, frère. Tranquille, du calme, il y a des gens à côté et tout, tu vois. Je m'en fous des gens, je connais personne. C'est pas le moment de s'exciter. En plus tu profites que je me sois fait un AVC de genou pour commencer à faire. C'est le pas mec. Ça un AVC. C'est quoi un AVC? Je sais pas. Maintenant donne-moi mes sous, je suis pressé, tu m'as fait venir chez toi là, je pense qu'il parle de. Vas-y, donne-moi mes sous maintenant. Fait comment alors? Là il est un peu abîmé. Tu l'as abîmé. J'ai pas abîmé de quoi? T'es tombé. Eh frère, c'est les graviers qui m'ont fait glisser. Mais d'habitude je suis... On fait comment? Donne-moi mes sous. Mais les sous, le problème c'est que je les ai pas en fait. Ils sont où? Moi t'as vu, je me suis dit, le frère il va venir. On va sympathiser et tout, on va faire... Ah mais pas ton frère, je suis pas venu pour faire ami. On a parlé à faire, sur le bon coin tu m'as dit oui je te le prends direct, il est beau, je le veux. Là tu parles chinois là. Ah mais non. Je parle pas chinois, moi je parle français. Chinois j'ai essayé, t'as vu c'est un peu difficile.
Mais... Donne-moi mes sous! C'est bon. Non, tranquille, tranquille. Juste, attends, je suis en train de voir avec toi. Je vais te passer tes sous. Enfin, je les ai pas, je vais pas te les passer, mais on va voir. En gros, moi, je me suis dit, va venir, on va sympathiser. Et peut-être qu'il va me faire cadeau, le vélo, tu vois. Ça peut être un bon pote. Oh, tu me prends pour le Père Noël. Noël, c'était il y a un mois. C'est vrai que ta barbe, elle fait... Mais il faudrait un soin un peu plus... T'as quelques poids blancs déjà, tu vois, mais... Tu me saoules. Mais tu me fais venir, tu me fais perdre mon temps, je veux juste mes sous. Le vélo, tu l'auras. Maintenant, tu vas en faire quelque chose, tu vas les retirer, tu vas me donner mes sous. Mais j'ai pas de carte, je suis interdit bancaire. Tu m'as fait venir pour rien, là. Non. Je peux avoir un moyen, je connais des gens là-bas et tout, ils peuvent me dépanner, t'as vu. Eh ben, on y va. Attends, mais... juste avant, je veux m'assurer que le vélo soit... Oh, frère, c'est quoi, ça? Regarde, il est tout rayé et tout, on dirait. Mais t'es tombé. T'es sûr? Ouais, t'es tombé, sûr. Ouais, mais je l'ai pas encore acheté, tu vois. Moi, s'il est abîmé, je t'ai dit, tu l'abîmes, tu le payes. Je t'ai dit là quand tu l'as touché. Ouais, tu sais quoi, on va faire un dernier truc. Je vais peut-être te le prendre. Juste recule un peu, tu vois. Je vais juste voir un truc, t'as vu. Tu vas essayer de lever? Non, je vais voir, ouais, je vais voir en fait juste la superficie du vélo. Je veux juste tester un truc, c'est important pour moi, tu vois. Si ça passe, je l'achète direct. Franchement, vas-y. Je vais retirer. En vrai, je suis pas interdit bancaire, c'est. Je t'ai lâché un mytho. Ouais, c'était. Vas-y. En gros, je voulais tester, tu vois, comme ça, genre. Et si je fais genre comme ça, genre. Tu fais quoi? C'est bon, tranquille, vas-y. Recule. C'est bon, frère, vas-y, viens. Ah, vas-y, calme-toi. Calme-toi. Tu te fous de ma gueule. C'est mon vélo, gros. Tu te fous de ma gueule. C'est moi qui est venu avec. Est-ce que t'es venu avec le vélo? Bouge pas, regarde. Ça, c'est pas le vélo, là. C'est peut-être le même. Il y en a plein de vélos. C'est mon vélo, gros. Il y en a plein de vélos. Il y a une semaine, je l'ai attaché, il s'est fait arracher et je le retrouve sur le bon coin. Tu mens. C'est mon vélo, gros. Donc si j'ai envie de le casser, je le casse, tu comprends? Tu vas le payer. C'est très bien que c'est pas ton vélo. Tu vas me donner mes 100 euros et je vais te donner ton vélo. C'est 100 euros pour mon vélo. C'est mon vélo. C'est mon vélo maintenant. C'est pas ton vélo, quoi. Si, c'est mon vélo. C'est mon vélo. C'est une photo, c'est quoi? Il y en a plein des vélos comme ça. Oh, je me le suis fait voler il y a une semaine. Donc si je veux le casser, si je veux jeter par terre, si je veux drifter, me ramasser avec, je fais ce que je veux, t'as compris? Non, c'est mon vélo. Donc, là, tu fais le barbeau parce que tu crois que je t'ai pas capté, mais c'est mon vélo. J'ai venu le récupérer, tu vois. Là, t'es tombé dans mon piège. Tu t'es fait piéger, gros. Maintenant, je vais t'expliquer, gros. Ça, c'est mon vélo, tu vois. Je l'ai retrouvé, je suis bien content. Je me suis bien foutu de ta gueule, t'as vu, j'ai passé un bon moment. Je me suis bien fendu la poire sur ton dos, tu vois. J'ai bien rigolé, franchement, je me suis bien amusé. Laisse-moi ton vélo. Écoute, laisse-moi ton vélo. Ça, c'est mon vélo, tu vois. Moi, je le récupère et toi, tu rentres chez toi et on est content. Juste de montrer un truc. Non, reste là. J'ai rajouté un truc dessus, tu vas me dire si c'est à toi, ça. Regarde. Vas-y, montre, qu'est-ce que tu fais encore? Regarde ça, là. Ça, c'est toi qui l'as ajouté, ça? Non, vas-y, qu'est-ce que tu fais, gros? Viens là, qu'est-ce que tu fais, gros? Putain, il essaie de partir en vrai. Mission réussie, les gars, j'ai récupéré le vélo. Oh, Mika, là, j'ai fait deux petits. Souviens-moi, ouais, la victime que t'as soi-disant victimisé en faisant une crêpe là sur YouTube. Tu t'es bien foutu de moi? Eh ben, c'est parce que je t'ai pas préparé mentalement et tout. T'es un mec, t'es connu sur YouTube et tout, t'étais en face de moi, je savais pas comment réagir et tout. Et maintenant, je vais te proposer un rendez-vous, ça va être toi contre moi.